Oui, il est là, il est là, il est là. Oui, les doubles bips, les 73, 51 Gilles. Oh, il a sa petite voix du matin. Ah, chie trois coups. Ouais, c'est pas costaud en haut. Est-ce que avant ça, tu verras, je t'ai envoyé une petite vidéo là sur Messenger. Plus bas, par contre, c'est du costaud, hein. Comme d'habitude, la propague, elle est en bas de la bande et nettement moins en haut. Alors, quel temps as-tu là de ton côté? Quelle est la météo? Ok, ben toi, nous là, c'est du 14 degrés. Voilà, c'est soleil, 14 degrés. C'est pas trop ce qui est annoncé, mais on l'a quand même. C'est presque l'été, nous ici, hachis. Effectivement, j'ai une oreille en même temps là sur le web SDR de ta voix. Bon, je m'entends passer dedans, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais dans l'ensemble, bon, il y a de l'activité, d'accord, mais moins que d'habitude. Ah zut, il faut que je dise ça, moi. Bon, du coup, là, je viens d'être moustaché là, par des stations qui doivent être en FM, je pense. Alors, as-tu réussi à monter la serrure au niveau de la porte? Hachi! Bon, visiblement, j'ai dû louper pendant la surmodule le passage où tu disais que tu passais en QRX. Attention Houston, ici la Terre. Non, c'est pas ça. Attention la Lune, ici la Terre. Bon, ben, ah, quand ça voudra bien passer. Ok, je suis aussi là. Ouh, que c'est QRP. Eh, prends un deuxième café, ça passera mieux. Ah, Santiago 3, Santiago 4, ça commence à monter un petit peu. Alors, il était bon le café? Ouais, c'est bon le café, mais ça arrive à avoir avancé, ça arrive à avancer.
Ouais, Santiago entre 1 et 3, ouais, voilà. C'est tain, on est vraiment dans le bas hein, au niveau Popeye. Alors, la serrure de la porte, t'as réussi à la changer, Hachi? La serrure de la porte, as-tu réussi à la changer? Ouais, ben je dis ça parce que j'ai vu la vidéo de Nathalie. Oh, il est là, il est là, il est là. Les 73-51 à la frontière franco-belge de 14 km, 33-01, Rémi d'Andy 33 sur la Gironde. Ah, sur le web SDR d'Ottawa, j'entends un QSO parallèle. J'ai entendu la frontière franco-belge et sur le web SDR d'Ottawa, j'entends un QSO parallèle, Gilles. Tu l'entends le QSO parallèle, Gilles, de ton côté? Oh, je pense que oui, parce que là, moi, je l'entends sur Ottawa, mais pas en direct, en tout cas. Mais t'as de la chance, parce que bon, j'ai entendu un QRP, la frontière franco-belge, aussi bien sur le poste que sur le web SDR d'Ottawa. J'entends, et autrement au QRA, j'entends personne d'autre. Hein. Sur le web SDR d'Ottawa, oui, j'entends un QSO parallèle, ça oui. Wow, c'est un peu retombé là, c'est un peu devenu QRP. Bon ben j'ai pas l'impression que c'est parti pour faire un gros QSO là aujourd'hui hein. C'est ouais.
Bon, hier, sur la balade qu'on a fait sur Bordeaux, ça, j'étais en fréquence aller-retour. Et bah, pareil, hein, côté Propag, c'était pas vraiment ça, quoi. J'ai lancé quelques appels sur le 625. Rien. Du côté des 40 canaux, en local, bah, j'ai rien eu. J'étais pas la bonne heure apparemment, hein, j'ai l'impression, et ça devait être ça. J'étais pas la bonne heure parce que j'ai des copains qui m'ont répondu et effectivement c'était pas la bonne heure. Hachi. Et les habitués que j'entends habituellement de ça, hier je sais pas où ils étaient passés. C'est bon. Comme quoi, il y a des jours sans, et c'est vrai que moi de mon côté, là, en mobile, ça a été un jour sans. Alors qu'habituellement, c'est en mobile, justement, que j'arrive à avoir plus de monde qu'au QRA, quoi. Hachi. Bon, ça veut dire qu'il n'a pas tout compris. J'ai quelques petites brides, voilà, qui m'arrivent en direct de ce QSE parallèle. Bon, ils sont où les OM là, du 625? Ils sont où? Oui, bon, ben toi, évidemment. Mais les autres copains, ils sont où? Bon, ben, je vais mettre en pause vidéo là de mon côté là pour l'instant, et puis on verra bien ce que ça donne tout à l'heure. Bon, là d'accord, j'ai compris. Je vais lui dire autrement. Ouais, Gilles, je vais me mettre en pause vidéo là pour le moment. Et puis on verra bien ce que ça donnera tout à l'heure. Mais là pour l'instant, moi, j'ai rien. Là, je te fais écouter un petit peu comme ça ici. Voilà. C'est à part toi, c'est tout ce que j'entends. Donc, pause vidéo de mon côté. Oh, j'ai entendu le Québec-Canada. Les 73-51, Dundee 33, 14 km, 33-01, le sud-ouest de France, en compagnie de Gilles, 9 Bravo Charlie 555, qui lui est... Ah oh, bah ça y est, je sais plus où il est, quoi. Point de calumet. Oui Gilles, je viens d'entendre un OM justement là derrière, là du Québec, là de ton côté. C'est très QRP de mon côté, c'est pas mal, c'est un peu moustaché par la même occasion, mais surtout QRP. Les 73 de la station, 14 km, 33-01 Rémy, Dundee 33, voilà, sur le département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion.
Alors j'ai pas tout compris du message. Mais bon là, je suis avec Gilles 9 Bravo Charlie 555 là qui est là également là derrière. Bon, les éruptions solaires, là, faudrait que ça se fasse un, que ça fasse un petit peu son boulot, là. Ah, chie. Il lui faudrait quelques éjections de... Ah, bah zut. Ah, je sais plus le nom. Bon, ben tant pis. Qui nous donne la propague? Bon, voyons un peu. Ah ben sur la fréquence Facebook, c'est pas mieux. Ah, le Brésil. Qu'est-ce qu'il a dit, Coucouille? Non, je dois me tromper. Vu l'accent. Et... Ah, j'ai entendu le Québec passer très bien là sur le 520, 27 520. Là, je viens de voir là que lui, par contre, il passait bien là de mon côté. Oui. Non. Ça fait le yo-yo. Et puis il y a de la puissance derrière en plus. Oh, je connais cette modulation. Surtout plus basse, ça ne peut pas dire. Donc. Et voilà. Et là, on est en AM. Waouh! On devine quelque chose derrière, mais il y a un brouhaha. Hein. Bon, les stations locales, là, on est dans la dernière ligne droite là, de la fête de la CB qui se termine dimanche soir. Une autre date est annoncée. Dans le calendrier du forum,
pour le mois de juin. Alors ce coup-ci, ce ne sera pas pour la France, mais pour le Québec. Oh là, bon d'accord. Je vais tenter le coup sur la fréquence kilomac. C'est pas la peine. Zut. Entre 500 et 555, on trouve assez souvent le Québec. Il y a du monde juste à côté sur le 27-630. Ouais, désolé, on a parlé en même temps. Ouais, justement, j'allais dire, sur le 630, il y a du monde là en ce moment en QSO. Et autrement, je suis allé me balader un petit peu plus bas et tout. Ouais, j'entends le Québec un petit peu partout, là, dans la tranche 27-500, 27-555, là, entre les deux. Je suis descendu plus bas. Bon, ben, plus bas, la propague, elle est plus forte. puis là, bon, là, je viens de remonter, là. Ouais, ok. Pourtant, en Alpha Mike, de ton côté, là, sur Pointe Calumet, tu as du monde, hein. Puisque sur le canal 26, c'est-à-dire, alors que je retrouve le 26, c'est 27-265. Bon, tu connais la fréquence. J'ai déjà eu, là, ben, il n'y a pas longtemps, justement, là, un OM qui est sur Pointe Calumet, hein, là, sur, en AM. Et tu rates du monde, hein, de ton côté. Hachi. Là, moi, où ça me pose problème, c'est en Fox Mac. Ce bruit de fond là, de l'AFM, ça me pète les oreilles, ça me déclenche de l'acouphène. Mais oui, il faut croire que c'est ta position qui fait que, puisque pourtant ils y sont tous les jours dessus, hein. C'est tiens zut, en descendant là, j'ai pas lancé d'appel dessus, j'aurais pu, ouais. Ouais, j'aurais ça tout à l'heure. Et parce que pourtant les OM, bon, pourtant tu connais le groupe, hein, le groupe Facebook en plus, en rapport avec le canal 26, pardon, le 27-265. Pardon. Et ils y sont tous les jours en plus dessus pourtant. Hein. C'est bien souvent c'est ça. Hein. Mais moi c'est pareil. Hein. J'ai des stations en Alpha Mike de mon côté, enfin de mon côté, sur le sud-ouest, sur la Gironde, qui sont tous les jours dessus, mais qui n'arrivent pas à passer de mon côté. Je vais les deviner un petit peu dans le lointain comme ça, mais sans plus. Hein, impossible de les avoir. Ah ben alors là, j'étais complètement perdu. Là. J'entends quelque chose là, un QSO lointain, mais rien de plus.
Eh bien là, c'est du 43. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est pas top, hein. C'est ouais de 43. Enfin, ça navigue entre 41, 42, 55. Ça tourne autour de ça, mais c'est vrai que ça reste assez cuir. Ah, j'entendais. Eh ben, je t'ai entendu au double bip derrière. Apparemment, tu m'entends pas. Ouais. Non, mais j'ai entendu un double bip là dans le web SDR. C'est pour ça que j'étais un petit peu surpris. J'ai cru à l'instant que tu m'entendais pas. Là, toi, c'est remonté un petit peu. Hein. Je vais faire un test un petit peu plus bas, je reviens. Ouais, les 73 d'Andy 33, Rémi 14 km 33-01 à la Gironde, en compagnie de Gilles 9 Bravo Charlie 555. Ah, de mon côté, c'est assez QRP, mais ça passe bien quand même. Hein. Alors, pour mon QTH exact, je suis à côté de Saint-Émilion, voilà, sur le sud-ouest de France. Bon, je reviens, je vais faire quelques tests en Alpha Mike, en direction du Québec, là, sur le canal 26, là, pour voir si ça veut bien passer aujourd'hui. Je reviens. Break en direction du Québec-Canada pour 14 km 33-01 d'Andy 33 qui lance appel depuis le sud-ouest de France. Break. Attention, le Québec-Canada pour Dundee 33, 14 km 33-01 Rémi, qui lance appel depuis les environs de Saint-Émilion sur le sud-ouest de France. Oh, j'ai entendu quelque chose. Oui, c'est tout petit. C'est tout QRP de mon côté aussi. Santiago 2, Radio 3, Radio 4. Les 73-51 de Rémi, d'Andy 33, voilà, sur le département de la Gironde, le sud-ouest de France. Ah, ça a été complètement surmodulé par les USA, je pense, avec un Santiago de 4-5, là, environ, hein. C'est dommage. Ils sont à l'affût derrière pour prendre vite le micro. Ah, chie trois coups. Bon, ben, le Québec, ça passe. Même en AM. Mais c'est QRP. J'ai pas compris. Bon, je vais remonter. Je vais remonter pour retrouver Gilles.
Hein, Gilles, de retour. Attention 9, bravo Charlie, pour 14 km 33-01 Rémi. Ah, il va s'amener entendre la frontière franco-belge? Non, je sais pas. Si oui, il est 73-51, 14 km 33-01, le sud-ouest de France. Ah, yéhou. Bon allez, 16h05 ici sur le QTH 14. À mon avis, t'as dû passer en QRT, faire autre chose vu le peu de monde qu'il y a. Eh bien, je vais te laisser. Je reste en stand-by derrière. Sinon, ben, les 73-51 et à plus tard. Ça parle derrière, mais... Hop. Oh oui. Oui, oui. Alors le canal 27, ça fait déjà pas mal d'années là que ça s'est arrêté suite à trop de critiques. C'est trop de critiques de la part de gens qui ne venaient pas sur le canal 27, qui criaient au loup de suite. Et du coup, ça fait partir tout le monde. Mais ça fait déjà pas mal d'années hein, que le QSO du canal 27 s'est terminé justement à cause de ça. Ah oui, d'accord. Oui, bah oui. Bah disons que les stations sur la Gironde, tout ça, et ailleurs, sont pour la plupart sur les SUP, à tort, parce que pour le coup, ils tournent le dos aux 40 canaux. Ils tournent le dos en même temps aux nouveaux qui, par la même occasion, aux nouveaux qui arrivent par là. Qui eux veulent se remettre à la CB, mais bon, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'une semaine à essayer de lancer des appels, à essayer d'avoir quelqu'un et tout sur les 40 canaux normaux, eh ben ils finissent par revendre le matériel. Tout ça à cause de ces autres personnes qui partent du principe que faut rester en SUP. Je t'avoue que c'est du grand n'importe quoi, mais bon, c'est bien dommage. C'est bien dommage qu'il y en ait qui partent de ce principe-là. Et pourtant, c'est sûr qu'il faudrait les réutiliser davantage, les 40 canaux homologués. Surtout que j'en vois qu'ils vont squatter carrément tout en haut de la bande. Mais ça sert strictement à rien, alors qu'il y a de la place sur les 40 canaux. Et c'est pas mieux. Hein. J'en vois qui disent, il y a trop de QRM en bas, on va en haut. Ben, ceux-là, ils viendraient chez moi, ils verraient que j'ai plus de QRM en haut qu'en bas. Hachi. Donc, il y a du vrai, il y a du faux dans ce qu'ils disent. Hein. Bon, d'accord, je sais bien que c'est suivant les QTH, les QRM ne sont pas forcément au même endroit, c'est clair. Mais bon, il y a aussi une mauvaise volonté là de pas mal d'OM de tourner le dos aux 40 canaux. Et c'est vrai que c'est bien dommage. Donc ça c'est un petit peu compliqué.
Oui, affirmatif. Tiens, tu as justement Gilles, 9 Bravo Charlie 555, qui vient là de prendre le micro là derrière. Donc je ne sais pas s'il t'entend. Gilles, est-ce que tu entends l'autre station là qui est de mon côté là sur la Gironde? Ah ben j'ai l'impression que même moi il a du mal à m'entendre. Ok, d'accord, désolé. Et moi, j'étais en même temps avec une autre station là de mon côté, là sur la Gironde. Hachi, je te laisse la place, Gilles. J'entends un appel derrière. Je relâche le micro de suite. Aïe. Vas-y, Gilles. Ouais, pendant que j'étais en train de te répondre, j'ai entendu sur le web SDR de ta voix d'autres appels. Vas-y, je te les laisse. Hey, le chef d'orchestre, c'est toi. Bon, d'accord. Les stations qui ont lancé appel, là, sur le 625, en avant. Hachis trois coups. Imagine-toi à 10 en même temps dans les toilettes, dans les chiottes. Là, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais fallait que je le dise. Forcément, ça va foutre la merde. Ça papote en parallèle. Effectivement, il y en a qui sont payés à parler, là. C'est pas possible. Bon, attends, Gilles, je vais voir si la station, là, qui est de mon côté est toujours là. La station, j'ai zappé. Pourtant, j'ai reconnu la modulation. La modulation me parle beaucoup. J'ai reconnu, mais c'est après que j'ai zappé, quoi. Ok, oui, Jean-Michel, voilà, c'est bien ça, oui. Ok, bon, ben là, il y a des stations d'un petit peu partout sur la fréquence, mais la propague est particulière, là, en ce moment. C'est assez QRP, ça tourne assez dans tous les sens, parce que, bon, il y a le Québec, là, qui est derrière, avec Gilles, un autre OM du Québec, aussi, là, qui est en même temps sur la fréquence. Il y a du côté de la frontière franco-belge, de ce côté-là, du côté franco-allemagne, je crois. Il y a un petit peu partout, ce partout arrive en QRP, quoi. Ok, parce que là, ce canal-là, c'est pour les appels canadiens, c'est ça? Alors ici, attends, j'ai pas compris. Oui, le 625, c'est un canal d'appel pour le Canada, c'est ça, non? Alors, canal d'appel, non. C'est un canal de rendez-vous. Voilà, le canal 18, le 27-625, c'est un canal de rendez-vous avec avec des stations du Québec. Si tu as Facebook, tu peux facilement trouver le groupe des Tannants. Voilà, groupe des Tannants du 625. Voilà, tu peux facilement retrouver ce groupe-là en ligne. Et voilà, c'est un canal d'habitués. Oh, ça fait plus de 15 ans hein, que ça fonctionne comme ça, que que ce groupe là se retrouve ici, quoi. Donc là, il y a alors le chef d'orchestre, c'est Gilles, 9 Bravo Charlie 555. C'est lui l'administrateur du groupe Facebook. Et c'est lui le chef d'orchestre du QSO, Hachi. Très bien, bon, mais j'ai dit, je vois ça, il n'y a pas de souci.
Et sur YouTube, tu peux retrouver ces vidéos rien qu'en cherchant 9 Bravo Charlie 9BC 555. Voilà, 9 Bravo Charlie 555, 9BC 555, le tout attaché. Voilà, tu peux retrouver ces vidéos sur YouTube. Oui, voilà, pour la petite anecdote, c'est moi qui travaille ces vidéos. J'y crois coup, j'en fais pas encore assez. Alors, tiens, j'en profite justement pour ceux qui écoutent derrière, qui veulent se réécouter après dans les vidéos justement de 9 Bravo Charlie 555 Gilles. Regardez l'heure du QSO, comme ça vous pouvez retrouver facilement le passage sur ces vidéos. Voilà, ça c'est fait pour les écouteurs. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'écouteurs. Hein. Il parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'écouteurs. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'il y a beaucoup d'écouteurs. Il y a même de vrais SWL qui se baladent un peu partout, puisque beaucoup sont aussi sur du SDR. Sur leur PC. D'ailleurs, j'ai là sous la main justement une clé SDR, une clé RTL SDR, voilà, que je peux brancher à l'occasion là sur le PC et sur l'antenne de QRA. Et c'est vrai que beaucoup fonctionnent comme ça. D'autres ont des systèmes similaires mais plus élaborés. C'est vrai qu'il y a et bon donc ça ça écoute de partout, hein. Plus les web SDR qui sont en place. D'ailleurs, moi, ce que je m'amuse à faire, c'est tout en étant, quand je suis sur cette fréquence, pour être sûr de pas surmoduler d'autres stations quand Gilles 9 Bravo Charlie 555 est en train de parler avec quelqu'un, j'ai une oreille sur un web SDR qui est du côté de Ottawa. Ce qui fait comme ça, je suis en double écoute. D'accord. Oui, très bien. Impeccable. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Oui, mais nous, on a repris la modulation ça fait 4 mois maintenant, voilà, avec un de mes anciens patrons qui était technicien. Et on a repris la module, on voulait s'installer sur les 40 canaux, mais on a trouvé que c'était impraticable, donc on est sur le 825. Sur le 825 en supérieur, mais on aurait bien aimé rester sur les 40 canaux. Oh ben c'est facile pourtant, si tu vas tout en bas du côté du canal 1, 2, bon le canal 6 à éviter, 9, 11 à éviter, c'est surchargé par les Américains, mais en dessous canal 1, canal 2, tu t'as personne, hein. C'est j'y passe assez souvent là de ce côté-là et j'entends jamais personne. Hein. Eh bien, tu prêches à convaincu, hein. D'ailleurs, en ce moment, là, sur toute la semaine, c'est la fête de la CB, la fête de l'homologation des 40 canaux multimodes. Voilà, tout simplement, hein. Bon, l'annonce est passée un petit peu partout. Si tu regardes sur le forum la planète CB francophone, tu verras, l'annonce est au niveau, dans le calendrier. Là, c'est en cours, là, en ce moment. C'est diffusé un peu partout là sur les groupes Facebook ailleurs de ça tac et c'est vrai que là cette année c'est au niveau des OM ils ont pas cette envie. Alors l'année dernière ça a super bien marché, cette année les OM ont tendance à tourner le dos, c'est du n'importe quoi. C'est d'autant plus du n'importe quoi qu'il faut pas oublier que si on arrive à utiliser comme ça, à être toléré sur les SUP, eh bien c'est quand même avant tout grâce aux 40 canaux. Parce que si on nous retire les 40 canaux, eh bien là on n'a plus rien. On n'a plus rien du tout si on nous les retire. Donc c'est dans notre intérêt à tous de montrer et de mettre un maximum d'activité du côté des 40 canaux, peu importe le mode. Mais bon, mettre un maximum d'activité du côté des 40 canaux pour continuer à les garder.
Car ce que certains ne veulent pas voir, c'est que faut pas oublier qu'il y a les professionnels derrière qui reluquent. Hein. Et s'ils arrivent à prouver qu'il n'y a plus personne, à démontrer qu'il n'y a plus personne sur les 40 canaux, eh ben l'État va pas se gêner de réattribuer la fréquence pour des transmissions numériques, transmissions informatiques et tout ça, enfin tous ces trucs-là, aux professionnels, et puis en avant-roule, et là ils se font du fric là-dessus. Mais bon, tant qu'on arrive à garder nos 40 canaux actifs, eh ben on est tranquille, ils y toucheront pas. Mais bon, faudrait qu'il y ait une volonté de tous les OM justement d'aller dans ce sens, quoi. C'est ça. Les appareils ont été réattribués pour les télématiques. Donc là, eh oui. Les 40 canaux qui cartonnent bien en France, ce qui va se passer, ben, ça va être réattribué en chose. Exactement. Ah, j'entends des appels sur le web SDR d'Ottawa. Ouais, j'entends des appels sur web SDR d'Ottawa, là. Donc là, ça va être pour Gilles. Oui, ben voilà, exactement. C'est exactement ça. Et ça nous pend au nez si les EM continuent à tourner le dos comme ça aux 40 canaux. Attends, je vais laisser la fréquence libre, là, momentanément, là, pour Gilles, pour 9, bravo Charlie 555, de façon à attraper les stations. Car c'est avant tout son QSO ici, quand même, Hachi. De la blagounette, il est en train de laisser un message sur le répondeur de l'autre M. Le revoilà. Ben, j'ai entendu pas mal de stations appeler derrière, là, pendant que j'étais en train de discuter avec un OM qui est de mon côté. Voilà, sous le web SDR d'Ottawa, là, j'ai entendu du monde appeler. T'as raté du monde, Gilles. Allez, vas-y. Lance-toi, prends le micro. Montre qui c'est, le chef d'orchestre ici. Ouais, c'est le bordel sur le 625 aujourd'hui, là. Sur le micro, là, ici, le PTC, on sent que t'es à l'écoute, là. Attends, ouais, ben tiens, t'as un collègue de ton côté, là, du Québec, là, qui est en même temps, là. Vas-y, je te le laisse. T'as un OM du Québec de ton côté aussi, là, Gilles. Je te le laisse. Vas-y, l'autre station qui vient d'arriver, là, du Québec, là, pour Gilles, pour 9, bravo Charlie, 555. Non, mais j'y crois pas, c'est un langage de sourd, là, qu'on est en train de faire. Et moi de la cacophonie. Est-ce que j'ai entendu? Bon, cappuccino. Hop là. Non, c'est pas pour moi. Quoi
Oh la vache! C'est parce que l'été chez lui. Ça fait du bien, hein, ça fait des signaux plus costauds, là, ça fait du bien.
La vôtre. Et puis ça, c'est bon, ça. On dirait que ça remonte, hein. Oui, oui, oui. On dirait que ça remonte, hein, la propague. La Viagra. Elle a pris du Viagra, la propague. Ah, ça y est, ils vont te manquer. Non, c'est pareil. Ah, j'ai entendu monde derrière qui appelle. J'ai beau monter le volume à fond, mais bon. Ça, c'est pour moi, ça. Ah, les 73-51-14 km, je sais plus, Jean-Noël, de la part de 14 km 33-01. Alors je t'entends surtout via le WebSDR d'Ottawa. Merci, tout ça retourné. Oui,
José. Portugal. Des fantômes qui se promènent sur les ondes. Ah, j'entends plus. Parce que sous le WebSDR. Je suis toujours là. Ouh oui, le break, là, il est passé partout. Il est passé par tous les trous. Oui, je t'ai reconnu.
Hachi, en direct, oui, évidemment, hein, heureusement, en QSO local, c'est normal. Et t'es passé en même temps sur le web SDR d'Ottawa. Putain la vache, oui, t'es même passé plus fort que moi, je passe de langue. Gilles, je vais passer le micro à une station locale là qui doit passer de ton côté en même temps là maintenant là. Oui, en avant, j'ai commencé. Jean-Pierre, Jean-Michel, je sais plus. Jérôme, 14 km 33, 50, 14 km 33. Ah, j'ai confondu. 73, alors je pense qu'il y a le Canada, il y a M. Dundee 33, 73 à tous. Retour. Je t'ai pris pour une station que j'avais en local en même temps, en parallèle. Hachi, les 73, 14 km 33, 01, Rémi, Dundee 33 du côté de Saint-Émilion. Et je retourne le micro sur Gilles, le chef d'orchestre. Ouais, c'est très compliqué à Gilles de sortir du monde aujourd'hui. Hein. T'as, j'ai rien ici. Oui, non, j'ai cru que c'était un local, mais non, pas du tout. oui, 14 kilomètres. Ah bah ça y est, j'ai zappé, quoi. J'ai fait le tour de mon bocal, du coup je l'ai oublié. 14 kilomètres. Bon, d'accord, dommage pour moi. En avant pour 9, bravo Charlie 555. Bon, ben décidément, j'ai l'impression que la propague a tourné d'un autre côté, puisque là, je n'entends plus. Alors, c'était 14 km, ah. 33,50, opérateur Jérôme, sur la commune de Cardon. J'avais fait un tour une fois sur une de tes vidéos en direct. Ok, 33,50. Voilà, Gilles, ok. C'est 14 kilomètres, 33,50, Jérôme. Eh bien, justement, là, je suis en train de je suis pas en train de faire un direct. Je suis en train de faire une vidéo que je vais travailler là tout à l'heure. Donc là, regarde l'heure, 14h45. Ouais, bon, 14h40, n'importe quoi. 16h40, 16h45. Voilà. Donc tu pourras retrouver le passage à cette heure-ci là dans la vidéo. Et ça passe bien là de mon côté. Alors je sais pas si est-ce que tu entends Jérôme, est-ce que tu entends bien Gilles de ton côté? Alors je reçois Gilles avec un signal de 5,5 on va dire, et une petite radio de 4. C'est assez faible, c'est assez cuirant, il y a pas mal de parasites. Mais ça passe gentiment suivant la propagation en retour. Ok, c'est génial, parce que moi c'est pareil de mon côté. Gilles, je vais te repasser le micro pour 9, pour n'importe quoi, 14 kilomètres, 33,50. À toi Gilles. Bon, ils sont passés chaud, c'est bon. Wow. Wow.
Ok, Jérôme, c'est à toi. Alors, Gilles, c'est Jérôme. Jérôme pour Gilles. Quand c'est compliqué comme ça, il faut faire un petit peu le lien. QSL, Gilles, QSL. Bien reçu, pas de souci, le signal est bon. 73 à toi, oui, j'ai bien compris. Donc, sur la ville de Québec, si j'ai bien compris. Écoute, c'est reçu, QSL 100%. À toi, Gilles. Non, point de calumet. Ok Gilles, je lui dis où tu es, Hachi. Alors Gilles, 9 Bravo Charlie 555 est à l'ouest de Montréal, sur un secteur qui s'appelle Pointe Calumet. Alors si tu regardes Pointe Calumet juste à l'ouest de Montréal, tu verras qu'il est hyper bien placé. Il y a des lacs, il y a de tout là de autour de lui. Et pas étonnant qu'il arrive à passer par-dessus tout le monde. Hachi, retour Joël. N'importe quoi, moi. Gilles. Ça déconne les neurones, moi, de mon côté. Hachi. Ok, 14 km 33,50, tu l'as reçu? Non, là, ce côté, pas du tout QSL. Reçu, non, rien du tout. Ok, ouais, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Donc, j'ai eu raison de te dire où il se trouve, c'est-à-dire juste 30 km à l'ouest de Montréal, sur le secteur de Pointe-Calumet. Voilà où se trouve Gilles, 9 Bravo Charlie 555. Affirmatif, 9 Bravo Charlie 555, et tu peux retrouver ces vidéos sur YouTube sur 9BC 555. Le tout attaché, 9BC 555, et tu trouveras facilement ces vidéos. Ok, merci pour le retour. Alors, pour ces vidéos, pour t'écouter dans ces vidéos, aujourd'hui, tu pourras pas t'écouter dedans. pour t'expliquer vite fait, le staff qui est derrière, c'est moi, j'ai trois coups. Donc, il m'envoie les vidéos chez moi. Donc, ce sera pour moi, je recevrai pas avant ce soir, fin de soirée même. Bon, oui, enfin, ça dépend du paquet de vidéos qu'il y aura. Je travaille ce week-end, donc si tout est rendu chez moi ce soir, eh bien demain au boulot, puisque là je bosse tout le week-end, pas loin de chez moi en plus, à une dizaine de kilomètres, je travaillerai les vidéos là, de demain dans la journée, si bien sûr tout est rendu chez moi ce soir. Et puis donc, si tout est ok, demain je mettrai ça en ligne depuis le pro. Merci pour le retour. Et tu sais pas tout. Tu sais pas tout encore. Hachi. Ok. Je vais faire un retour de micro sur Gilles. Au chef d'orchestre, Hachi. En avant, Gilles. Ouf. Jérôme. Alors, 33,50, c'est Jérôme. Voilà, Jérôme. Jérôme, est-ce que tu es sur Cluster DX en même temps? Le WebSDR, c'est
téléphone dont tu parles, parce que là j'ai que celui de... Alors attends, c'est celui de Saint-Morillon. Je n'ai pas... j'ai pas l'adresse des autres, je vais regarder. Autre... Non, c'était pas ça la question. Cluster DX, est-ce que tu fais de l'échange de QSL virtuel, de la EQSL, comme on appelle ça maintenant? Voilà, parce que je te pose la question parce que Gilles est justement sur Cluster DX, j'y suis aussi, mais lui il est beaucoup plus courageux que moi. Et il envoie justement tous les jours des EQSL aux différents contacts qu'il fait, quoi. Ah, bien reçu, Rick. Bah, écoute, j'étais pas au courant de ça, tu vois, je découvre. J'ai tout remis en route depuis 4-5 mois, mais non, j'étais pas au courant de cette méthode de QSL. C'est un peu comme une e-carte, c'est ça? Oui, c'est de QSL virtuel. Eh bien, dans ces cas-là, tu m'envoies un message perso. Bon, tu sais comment me contacter. Tu m'envoies un message et je te mettrai le lien du site Cluster DX. Ah, bien reçu. Ben, écoute, je vais faire ça tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, je suis devant un PC, donc je vais faire ça en suivant. Merci, Rémi, pour les infos, en tout cas. Bah c'est avec plaisir, au contraire. Hein. Si nous on le fait pas, personne ne le fera. Et puis bon, c'est vrai que c'est toujours avec plaisir qu'on renseigne des OM, ceci, cela. Et pour Gilles, c'est pareil. Hein. Il en fait énormément aussi de son côté, quoi. Alors oui, je suis à côté de Saint-Émilion, je suis voisin de Saint-Magne-de-Castillon, et autrement dit à côté de Castillon-la-Bataille. Voilà, Saint-Émilion est à 10-12 km de chez moi, Saint-Magne-de-Castillon touche à chez moi, c'est le village qui est juste à côté, autrement dit à côté de Castillon-la-Bataille. Voilà, alors pour le nom exact, Sainte-Colombe. Voilà, Sainte-Colombe. C'est bien reçu, je suis en train de regarder. Je regarde juste la distance qu'on a entre les deux stations. En tout cas, le signal, il est bon. Hein. C'est du 58-59. Donc là, on est en train de monopoliser un petit peu. Je vais faire un retour de micro sur 9. Bravo, Charlie 555, pour voir s'il a du monde de son côté, que j'entends pas, moi, sur le web SDR d'Ottawa. Donc, je suis pas sûr qu'il ait grand monde. Enfin, retour de micro à toi, Gilles. Pourtant... Ok, c'est Jérôme, voilà, Jérôme, 14 km, 33, 50, Jérôme, voilà, voilà pour le prénom de l'OM. Jérôme, c'est bien ça, non? Affirmatif, Jérôme. Là, ça passe bien. Alors là, j'en profite pour repasser le micro à Jérôme, parce que là, ça doit bien passer. Là, ça doit passer correctement entre vous deux, là. Ouais, 100% QSL, merci Rémi. Merci Gilles pour les 73. La bonne année aussi de ton côté à la petite famille. Et puis surtout la santé, c'est ça le plus important. Merci beaucoup. J'ai bien reçu 100% QSL, une bonne radio. Pas de soucis, retour. Merci beaucoup, Jérôme, merci beaucoup. Oui, malgré que la propagation est un peu compliquée, hein, c'est ça ici. Alors, c'est quand même très bon, là, c'est quand même très bon, Jérôme. Bien reçu, Gilles. Ben, écoute, merci beaucoup, c'est vraiment très sympa, un petit QSO, comme on les aime. Je fais tourner, comme on dit, je renvoie à Rémi.
Oui, surtout que j'ai cru comprendre, Gilles, c'est pas Gérard, c'est Jérôme, Homme. Voilà, comme Jérôme, Jérôme, c'est pas Gérard, c'est Jérôme, Gilles. Ah, je sais pas si s'ils m'ont entendu. Ok, sorcier 33. Ah, d'accord, carcan. Ok, d'accord. Ok, je te disais que c'est Jérôme et non pas Gérard. Gérard, non. Jérôme, oui. Putain, ce langage de sourd. Si Gilles me reçoit, Gilles, donc c'est bien 14, Tio Mike 3350, l'OM, l'opérateur c'est Jérôme, Juliette, Echo, Roméo, Oscar, Mike, Echo. Roger. Je lui envoie une photo là sur Messenger de toute ta ligne, c'est-à-dire 14 km 3350, sorcier 33, Jérôme Carcan. Voilà, je lui envoie là, la photo là en message perso là, à Gilles. Ouais, bien reçu, Rémi, écoute, merci beaucoup. Oui, c'est facile quand on a accès au site des kilomètres. Hein. Voilà, je lui ai mis la souris là sur la photo pile sur la ligne. Oui, c'est vrai que c'est bien pratique le listing. Heureusement qu'il y a un listing. Hein. Sinon là, on ne s'y retrouverait pas. Quoi. Et donc là, ok. Il pourra voir un message perso. Gilles, si tu m'entends derrière, je t'ai envoyé un message là sur Messenger. Tu verras, tu as l'indicatif et le prénom de l'OM. Bon d'accord, là c'est en train de plonger complètement au niveau propag. Je le vois aussi là de mon côté, j'entends plus rien. Je vais passer à d'autres occupations là de mon côté, c'est-à-dire je vais me mettre à travailler la vidéo. J'en ai pour un petit moment à le faire, oui il est déjà 17h. Donc là ça va m'emmener jusqu'à pas loin du gastro solide, oh oui. Le temps que je fasse ça bien et tout, hachi. Donc je vais envoyer 73-51 à tout le monde. Content de t'avoir en fréquence, Jérôme. Donc Gilles, les bottes sont 73-51 avec 14 km 33-01 Rémi qui passe en QRT et merci pour le QSO à tous. Bye bye. Voilà, il a vu. Merci, il est déjà 17h ici. Merci, bye. 17h, 5h PM, pardon. Il est déjà 5h PM ici. Merci, bye à tous. Merci pour le petit QSO. Merci, merci à Gilles, 73 à Gilles, 73 à Rémi. Je vais passer QRT aussi. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et j'aime bien sa modulation. Bon courage, allez, à plus. Ouais, merci beaucoup. Surtout que moi, j'aime bien faire dans le compliqué. Alors, il y a une vidéo, celle qui est braquée, une caméra, celle qui est braquée sur le poste. Une deuxième caméra, celle qui est braquée sur sur l'heure. Ce qui permet aux EM de retrouver leur passage de QSO par rapport à l'heure. Plus, ah zut, je ne sais plus comment on appelle ça,
Bon, sur le web SDR de Ottawa, je suis en train de faire une vidéo aussi de ce côté-là, un screen, je sais pas comment là. Donc ça fait trois caméras en quelque sorte, qu'il faut à chaque fois que je redimensionne, que je synchronise, parce que là il faut que ça colle parfaitement avec au niveau bande son et tout, faut pas qu'il y ait de décalage, faut que tout soit carré. Pour l'heure pareil. L'heure, c'est pas à 30 secondes près non plus, mais bon, le pire, c'est au niveau bande son, il faut que ça colle parfaitement bien, quoi. Et c'est vrai que sur trois rangées de vidéos comme ça, c'est pas toujours évident. Il y a des fois, j'ai tendance à criser un petit peu derrière, mais ça le fait quand même. Allez, Hachi, j'y vais. Merci à tous. Bonne continuité de QSO, chacun de votre côté. À plus. Merci, bye. Merci, Rémi. 73, à la prochaine. Ciao. Ouais, je l'ai entendu dans le WebSDR en QRP. De ce côté-là aussi, ça a baissé. Ouais. Bon, on est kilomètres ou on ne l'est pas. De retour sur la fréquence monitor. Les 73-51 de la planète Sibi francophone.